Hey! Et salut tout le monde, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se confronter au jump. On va faire la branche jump, qui est une des branches les plus connues de Diversity, et aussi l'une des plus simples, entre guillemets, si t'es bon en jump. C'est parti! Donc dans le dernier épisode, on avait récolté cette laine. Elle n'est pas colorée, mais normalement c'est du vert clair, qui était la branche trivia. On va la mettre. D'ailleurs, il y a un beacon qui apparaît à chaque fois que tu l'as fini, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a un beacon, donc celle-là et celle-là. Ça fait déjà deux branches faites, plus l'introduction. Et on va faire la troisième. Donc, j'imagine que là, c'est plus simple à comprendre, déjà. Oh. Bah, c'est très simple à comprendre, en fait. Si simple. Il fallait juste sauter. Et donc, c'est parti. Donc, après, on va faire celle-là. Celle-là, c'est la branche escape. Donc, c'est parti. Oh, donc on se retrouve dans une autre pièce. Donc, ça, je peux le taper ou pas? Ah ouais, je peux cliquer dessus. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 jumps à faire. Vous savez quoi, on va commencer par le premier. Alors donc là lui c'est... Ok, il faut sauter dans le mauvais train, un truc comme ça. Ouais c'est ça, mauvais train. Ah mince. Ça fait déjà une mort, ok. Bon l'objectif c'est que je fasse moins de... 200 missteps. En plus il y a un challenge là normalement, ouais. Alors, le challenge, c'est quoi? Il faut que je réussisse une branche. What? Non, mais là, j'ai déjà perdu sur un objectif. Il y a un objectif, il dit réussis la branche, c'est-à-dire tout le parcours, tous les parcours, en sans mourir. Il y en a un autre qui dit réussis tous les parcours en mourant que 9 fois. Moins de 9 fois. Ouf. Donc, à ce que j'ai compris, la première histoire du jump, c'est. Parce que c'est un jump avec des histoires. C'est que en fait je suis rentré dans le mauvais train et il faut que je m'en sorte en haut. Bon depuis tout à l'heure déjà j'ai pas mal monté mais j'aimerais bien savoir vers où il faut monter après. Ah par là ok. Non mais à chaque fois punaise. Ok bon on recommence encore une 90e fois. Chien en haut. Et c'est là que tu te rates. Let's go. Je pense qu'à chaque fois, il va falloir passer dans ce portail. Assez bizarre, d'ailleurs, ce portail. Donc ça, c'était le premier jump. Ah ouais. J'aimerais pas être en bas, là. Hein. Donc on passe au deuxième. Profond dans le coffre-fort. Et donc là, on se retrouve dans un coffre-fort. Il faut que j'aille là-bas. Je pense que le premier était quand même plus compliqué que les autres. Donc il faut que j'aille là-bas, mais il faut que je trouve un endroit pour remonter. Là. Le crâne me permet de monter sur les chemins. Et après, ça ressemble à un Temple Run. Je sais pas si vous avez la ref. Non! Alors ça c'est traître parce que ça casse la vitesse. Ah ça casse le saut plutôt. Ah ça c'est bien ça. Ça permet de remonter directement si je tombe. Bah c'était assez rapide hein. Donc maintenant on a Spring in your step. Ça veut dire printemps dans tes pieds. Donc là on se retrouve dans une sorte de mine de je sais pas quoi hein. Ah bah en fait c'était rapide. Ah oui en fait c'était juste le début. Notre objectif est là-bas. Donc je pense qu'on va devoir monter de fleur en fleur. Ah en fait c'était une fourmilière ok. Ça y est j'ai trouvé le chemin, il est là. Donc on se retrouve sur une autre fleur d'accord. Et ensuite je pense que c'est cette feuille là. Ok. Voilà, celui-là il était compliqué. Ok on a presque fait la moitié. Donc c'est parti. Non sérieux. En même temps je vois pas où sont les blocs ici. Ah donc en fait ici c'est un truc de bateau pirate hein, avec des gens là. Et mon but c'est d'arriver de l'autre côté. Déjà le premier but c'est de descendre tout en bas. Évidemment il n'y a pas d'échelle. Bah en soi j'ai juste à faire ça. Ouais et à régène à chaque fois. Non en vrai c'est une méthode bourrin mais je pense que ça marchera. Leonardo. Ils ont même pris le temps de nommer les villageois sérieux. Je suis sûr qu'il y a un truc caché, un secret. Ah non. En fait, non. Autant pour moi. Bah, désolé, hein. La lumière au bout du tunnel. Wow. Yes. Ok, j'ai fini. Donc, on va passer à la suite. Donc là, j'ai fait la moitié. Il me reste encore 1, 2, 3 et 4. Donc, on va faire la liberté ou la mort. La mort. Ah ok, c'est la statue de la liberté, je comprends. Et c'est tout en haut. Oh là là. Bah là, ça va être que de la montée. Ils aiment bien ça. Ok. Tout ça, c'est le piédestal encore. Oh, ça fait un super fond vert, ça. Regardez. Waouh. Mais franchement, super fond vert. Je doute que dans la statue de la liberté, déjà, on puisse monter ici. Et que dans le piédestal, il y a des rebondisseurs comme ça qui nous font sauter. Pour faire du jump. Après, c'est peut-être possible. Ok, j'ai fini. Je suis tout en haut.
D'ailleurs, ça fait quand même une sacrée altitude là, on peut voir derrière moi. Et donc là, je suis sur la flamme. Un parcours de terminé, il en reste plus que 3. Alors, le suivant est Room with You, c'est-à-dire une pièce avec une vue. Donc j'imagine que ça sera sur un gratte-ciel. Oh, ça me fait voler tout ça. Là, il y a un chemin. En fait, il y a un chemin bleu qui permet de savoir où il faut aller. Et là, il faut que je saute dans une sorte de piscine gonflable, ok. Un jacuzzi. Ça doit faire mal quand même aux jambes. Hein. Ouais, là, il y a une ligne. En fait, il a dit, non, je ne suis pas Steve parce que j'ai pas pris, j'ai juste été trop fainéant en prenant un skin. Et arrête d'utiliser mes appartements pour ton jump. Ok, bon. Et il continue de me regarder. Ok. Allez, un petit jacuzzi avant de remonter dans le portail. Plus que deux. Il me reste celui-là. Once upon a time. Donc je pense que ça va être à propos d'un conte. Ah ouais, ok, je vois, c'est quoi comme, comme conte. Ok, bon bah c'est parti pour l'ascension, hein. Aïe. Oh, en fait c'est un château. Jack, j'en ai jamais entendu parler. Tout le monde a une super tête custom. Pourquoi pas moi? Un jour je serai amélioré en arm instance, parce que là c'est juste une tête. Là il se parle. Ok, bon on va pas tout lire, hein, parce que ça fait beaucoup de gens à lire quand même. On va encore monter, parce que je ne sais pas qu'il pourrait y avoir des trucs en haut. Oh, quelle belle vue. Top of the Stalk. Ah, c'est un truc, c'était un secret. Tu es arrivé tout en haut de la plante magique. Et résultat, on voit rien parce qu'il y a des nuages. On va, c'est reparti pour descendre, alors j'imagine que... ah bah oui, le portail il est tout en bas là. Désolé, mais c'est fermé. Le roi a été décapité. Ok. Ici, tape quelqu'un. Tire sur quelqu'un. Voilà. Tu m'as demandé, je te l'ai fait. Il m'en reste plus qu'un. Et maintenant, le dernier. C'est parti. Fill in the blank. Ok. Ah, il y a une barre là. Ah, attends, la barre elle me fait monter. Oh, trop bien. Alors, nous avons une sacrée quantité de lettres. Il va falloir que je jump de lettre en lettre. Non! Mais je sais qu'il y a un Y, je sais qu'il y a un E. Et en fait, je pense savoir ce que c'est. Par exemple, si je cherche ici, là. Donc là, il doit y avoir un D, un I et un V. En fait, c'est diversity. Donc on va chercher toutes les lettres pour un diversity. Ok, il manque un V et un 3. Non! R, T, D, un V, un I, Y. Ok, il manque le 3. Et c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Hein. Du coup, on va faire le truc spécialement fait pour les vues d'ensemble. Il est là, le 3. Et donc là, j'ai fini la dernière branche. Ah, il vient d'apparaître. Excellent, tu as complété la parcours branche. La branche du parcours. Bravo. Ok, bravo. Juste bravo. Ah, t'as pris la lune, la laine avec toi? Non, ouais, je la veux bien. Ouais, je l'ai fait, mais quoi? Tiens, j'ai travaillé si dur sur cette branche. Ah, tu as travaillé si fort, bah donc tu as les honneurs. Et en fait, il se la balance. Il se la balance parce qu'il s'insiste. Qui va donner la laine pour le. La... Qui va donner la laine? Non, j'insiste. Ok, bah ils insistent tout le temps là. Prends-la, prends-la. Ok. Non, tu dois la prendre. Non, prends-la. Non, tu la prends. Ah, il y en a un qui se ramène. Oh non, ça encore. Je devrais l'attraper toi-même parce qu'après, ils n'arrêtent jamais. Excellent. En fait, je suis obligé de l'attraper. Ok. Oh, c'était trop drôle. C'était vraiment pas bête. 4 personnes. Ah, c'est parce que j'ai fait la branche en moins de 9 morts. Et voilà. Donc, on va la mettre tout de suite. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de commenter, de partager et de liker. À la prochaine. À plus. C'est ciao!